Bonjour et bienvenue sur casquantigo.com. Aujourd'hui, nous vous présentons le gilet stabilisateur BlackRock de Subaqua. Il s'agit d'un modèle très complet qui conviendra autant aux amateurs, débutants, qu'au club ou aux professionnels avec un peu plus d'expérience, tout simplement. Donc, comme je le disais auparavant, un modèle très complet, très bonne qualité. Encore du ras sur son extérieur, 1000 deniers, 420 deniers sur son intérieur, avec un renfort au niveau du cou en néoprène. Donc ça va être assez intéressant pour éviter tout ce qui est frottement, qui pourrait être un peu désagréable. On remarquera également un renfort au niveau du dos, qui va nous permettre donc une meilleure position au niveau du gilet, tout simplement, hein, plus agréable à porter. Et ensuite, on pourra remarquer donc sur ce gilet également son dossier. Comme vous voyez, le porte-bouteille. Prêt, et donc les 1000 deniers qu'on mentionnait juste avant, très complet. Voilà pour ce qui est donc de la composition du gilet. Ensuite, on va pouvoir parler un petit peu des purges. Donc, ces purges, elles sont au nombre de 3. On va avoir donc en premier lieu le Direct System, qui, si on tire dessus, nous permettra donc de laisser échapper de l'air. On a donc une deuxième purge juste ici. La classique de l'épaule droite, on va dire. Ensuite, et enfin, on remarquera donc cette dernière purge située en bas à droite. Voilà pour ce qui est des purges donc sur ce gilet. Ensuite, on va pouvoir parler un petit peu des accroches et du système d'accroche et de règlement de ce gilet. Donc, on va avoir des sangles ici, réglables, modulables. Ici, une autre sangle au niveau de la poitrine pour accrocher. Ici, au niveau du ventre, sangle Velcro, très pratique, très facile à ajuster. Et enfin, un dernier système de clip au niveau du ventre afin de pouvoir fixer et régler à votre nécessité. Voilà. Ensuite, on remarquera donc tous les anneaux hein, qui viennent équipés donc, sur ce Subaqua BlackRock, qui vont être très pratiques pour emmener tous vos accessoires. Donc, deux anneaux ici, des anneaux également ici, et des anneaux ici, comme vous pouvez le voir. Donc, six anneaux utiles, et quelques autres qu'on pourra remarquer un peu droite à gauche, comme ceci, qui vont nous permettre donc d'accrocher tous nos accessoires. Voilà, ensuite on va pouvoir parler un petit peu des poches donc, qui viennent sur ce Subaqua BlackRock, de très grandes poches avec très grande contenance. Comme vous pouvez le voir, très grandes poches qui vont permettre encore une fois de ramener tout votre matériel, tout l'équipement dont vous avez besoin. Des deux côtés, donc ces poches. Et une poche également ici qui va nous venir donc, sur cette sangle Velcro, très complète. Enfin, on va pouvoir remarquer un dernier détail, donc très intéressant également, pour fixer votre manomètre ou octopouce. Ici, comme vous pouvez le voir, on a donc des espaces prévus à cet effet afin que vous puissiez passer votre flexible et que votre accessoire ressorte par ici, sans que vous ayez donc cette sensation désagréable qui ballotte. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce Subaqua BlackRock. Merci pour nous avoir suivis. À bientôt pour une prochaine vidéo sur casquantigo.com.